Alors Michel, maintenant tu vas découvrir le jeune groupe Arcadian. Jérôme, Florentin, Johan, trois Parisiens passionnés de musique qui se sont fait remarquer dans un télécrochet et depuis leur premier album éponyme cartonne vraiment. Ce soir, ils vont te rendre hommage en interprétant un tube de 1977 qui n'a pas pris une ride. C'est la Java de Broadway. Alors Arcadian, mais tu les as déjà rencontrés? Alors je vais te dire comment je les ai rencontrés, c'est pas un démon. Je les ai rencontrés sur téléphone. Ah oui? Ils ont fait un petit... pas un petit clip, mais enfin une petite maquette. Je regarde ces trois mots, je dis, putain, ils sont bien ces mecs-là. Ils sont très bien. Et les voilà. Et ben voilà. Arcadian. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme à Meudon. On s'effonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on est fin bourré, on se tire débordé sur la 42e. On rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la 50e. C'est elle qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, y'a les chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est au complet, on décerne les Oscars. C'est peut-être pas la vraie de vraie, les nanas de Broadway. Yeah. Oui, mais c'est ça qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, on danse sur les trottoirs. Quand on nous sort de là, c'est un coup de balai, un grand coup d'arrosoir. Et on ne sait plus à l'étude si on est à Clichy, si on est à Clichy ou en Californie. Merci beaucoup. Merci. Arcadian, la Java de Broadway, rejoignez-nous. Alors racontez-nous, pourquoi vous avez repris des chansons de Michel Sardou? Et alors déjà, on a grandi un peu avec, forcément. Nos parents écoutaient vos chansons. Et puis, gentil, ça me rajeunit, c'est sympa. Non mais voilà, on a toujours écouté vos chansons, on les a apprises aussi à l'école. Et puis voilà, nous on aimait déjà chanter la Java de Broadway déjà entre nous, donc on est hyper content de l'avoir fait ici ce soir dans une si belle salle avec ça. Ça met l'impression. Vous avez fait un très bon disque. Merci beaucoup. Très bon. Non, en vrai, je dis ce que je pense, toujours très bon. Très bon. Et je vous ai découvert d'une façon inattendue, avec une jeune femme très têtue. Elle m'a collé le téléphone sous la tête. J'ai dit, ouh, ceux-là, ils sont pas mal, ceux-là. Ouais, merci beaucoup. Merci. Et justement, Michel, on revient à la jeunesse de la Java de Broadway. Cette chanson était aussi une marque d'attachement aux États-Unis. Oh, je dirais oui et non. Oui et non. C'est d'abord, c'est une chanson, faut le dire,
C'est une chanson qui vient de Monsieur Billon, qui est là derrière, avec sa barbe blanche. Ah. Et qui a eu cette idée de mélanger le bourbon, le vin, le machin, le... tout ça, chanter au début en anglais. Bon, c'est pas vraiment. Je te dis pas que je tire mon chapeau aux États-Unis dans cette chanson, non. Non, non, non. Ça s'est trouvé comme ça parce que c'est un fou. Mais bon, voilà. Alors c'est vrai, Arcadiane, moi j'ai découvert votre album, c'est vrai que c'est plein de sonorités, c'est très, très pop, c'est urbain, d'ailleurs le premier single c'est Folie Arcadienne, ça a été vu 9 millions de fois sur un... 10 millions, ça, 10 millions, on vient pardon. De passer, on vient de passer les 10 millions. C'est 10 millions, le cap des 10 millions. Oui c'est vrai, on est très très contents. C'est impressionnant quand même. On s'y attendait pas forcément et voilà, de toute façon nous notre priorité c'est vraiment de... à la base de prendre du plaisir sur scène, de pouvoir partager et faire découvrir nos compositions justement au public. Mmh. Et puis bah voilà, si ça plaît, bah tant mieux, on est ravis. C'est ça, si d'ailleurs ça marche, c'est cool. Ça plaira. Ça plaira. Ça plaira, je te jure. Merci beaucoup. Ça plaira. Et ils sont actuellement en tournée. Alors vous serez au Bataclan le 7 décembre prochain. Et donc l'album éponyme Arcadiane est disponible depuis avril. En tout cas, c'est sympa d'être venu pour rendre hommage à celui qui le mérite pour son dernier show. C'est Michel Sardou. C'est totalement normal. Ça me touche beaucoup, les enfants. Merci de nous avoir invités. Beaucoup. Ben non, non, ça me touche. C'est moi qui t'en ai. Et encore merci, merci aux musiciens, parce que je pense qu'ils le méritent. Oui, vraiment, incroyable. Absolument. Merci à eux. Bravo. Merci, merci bravo beaucoup à tous les trois. Salut, mon lapin. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut. Et vous pouvez continuer de...